Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 41e épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Brotherhood. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va aller chercher le trésor de Romulus. Maintenant qu'on a toutes les clés, on va pouvoir le choper. C'est plutôt cool. Donc allez, il va falloir trouver l'entrée déjà. Voilà, là, c'est ici. Il faut trouver le trésor. Donc c'est parti. Donc très cool cette mission secondaire des Romulus. Franchement, c'était vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ah peut-être. Ah peut-être aller dessous. Vraiment pas mal, j'ai trouvé. Ok. Assez varié en plus. Varié. Je pense que c'était cool. On peut pas dire de tout le jeu. En fait, tout le jeu, de tout. Toutes les quêtes secondaires du jeu. Surtout. Le jeu en soi est bien. Mais toutes les quêtes secondaires. Certaines quêtes secondaires, ça sert pas à grand chose. Alors, Ubisoft, hein, c'est souvent comme ça. On est quêtes secondaires un peu. Un peu ennuyant, mais bon. Mais bon, on s'est plutôt régalé, je trouve, sur ce jeu en général. Mais il va falloir, bien sûr, attaquer après la suite. Avec Assassin's Creed Révélation. Ce sera pas tout de suite, mais oh, putain, il faudra attaquer la suite un jour ou l'autre. Ouais, c'est un vrai labyrinthe pour trouver ce trésor. Le labyrinthe. Oh ouais. Un peu chiant. Peut-être monter là alors. C'est ici, magnifique. Hop. C'est ici, on va faire le tour. Il y a un petit trésor. Ok. Allez. Voilà, on est équipé, dague de Brutus, armure de Brutus, magnifique. Bon, alors on va pouvoir s'en aller, on va pouvoir retrouver la sortie. Ok. Ok, nickel. Magnifique. Donc maintenant, ce qu'on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau des quêtes secondaires, on est plutôt pas mal. On va peut-être aller directement au Vatican. On continue la mission. Donc je vais faire une petite ellipse, je pense. Ou on y va ensemble? Alors, on va y aller ensemble, tranquille. On va y aller ensemble, tranquille, vu que c'est les derniers épisodes. On va y aller ensemble, on va essayer de pas trop se faire mal, ce serait bien. Est-ce que je suis équipé? Ouais, ça va, je gagne pas mal de munitions et tout. Donc on va aller au Vatican. Pour commencer à entamer la dernière mission. Donc là, c'est segment 8, il me semble. Donc là, ça va s'enchaîner pas mal, si je me souviens bien. Ça va s'enchaîner pas mal. Il va y avoir beaucoup de choses. En très peu de temps, pas mal de révélations, pas mal d'actions. Donc il va falloir être prudent.
Et on va pouvoir regarder plus en profondeur le Vatican. Où on est allé jeter un petit coup d'œil en allant chercher la dernière tanière de Romulus. Et aussi dans le live on a vu un petit peu plus aussi le Vatican, c'est assez stylé en vrai. Franchement ils ont fait ça bien hein. Pour l'époque, ça date pas non plus de 180, mais franchement pour l'époque je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Avec les architectures et tout, c'est vraiment ça qui est kiffant dans Assassin's Creed, c'est vraiment pouvoir découvrir les architectures. Un peu apprendre, en apprendre un peu plus sur l'histoire de la région où on est. Et franchement, c'est vraiment une qualité hors norme de Assassin's Creed, parce que c'est vraiment pas tous les jeux où on peut apprendre des choses comme ça. Donc c'est assez cool. En plus, ça soit dans tous les Assassin's Creed, c'est comme ça, on a toujours à en prendre un peu sur l'histoire de la région où on est. Donc Assassin's Creed 2, c'était Venise, Florence, donc c'est un peu sur l'Italie, avec quelques personnages historiques. Assassin's Creed Brotherhood, ça change pas tellement parce que... Ok, attention. Ok, ça change pas tellement parce qu'au final, on est aussi dans l'Italie de la Renaissance. Sauf qu'on est, à Rome, exclusivement à Rome. Et pour Assassin's Creed Révélation, je ne l'ai pas spoilé, mais voilà, on découvre une nouvelle région. Une région différente. Et ça va être très cool. Très très cool. Ah oui, c'est là-bas. Bon. Ça va être très très cool. On va découvrir une région totalement différente d'ici. En la même période, mais totalement différente. Toujours avec Ezio, par contre. Ah ouais, toi tu... Qu'est-ce qu'il fait? Oh mais frérot, faut que tu les attaques, sinon on va pas s'en sortir. Vas-y. Allez. Bon, je vais appeler mes assassins. On va aller un peu plus vite. Ok. Voilà. Là, on est mieux là. Hein. C'est bon? Allez. On va pouvoir y aller, continuer. Voilà, introduisez-vous dans le château Saint-Ange. J'ai allé trouver le pape dans ses appartements. Donc, c'est parti. Introduire dans le château. Il me semble que je le connais, lui. Ok. Et toi? Je ne veux pas t'entendre. Faut aller. Voilà. Je vais par l'échelle ici. Monter là. Allez, dégage. Ok, faut passer par là-bas alors. Allez, tu te tais aussi. Allez, on va monter. On n'est pas passé par le même endroit que la dernière fois. Maintenez la enfoncée avec trois signaux d'assassin remplis pour tuer tous les gardes. Ok. J'exige de voir le pape. Sa sainteté vous attend tout en haut du château, dans ses appartements. Hors de mon chemin. Ok. Où est la porte secrète? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait... Ok. Ouais, tu dégages.
C'était vraiment pratique cette arbalète. Hein. C'est une descente. Et une minute. Voilà. On dégage. Oh putain, on reparaît. Oh. Dégage. Ok. On va... Ok. Magnifique ça. Faut que j'aille où maintenant? Oh, il faut que j'aille en bas. Ok, il faut que j'aille là-bas. Passer par là. Essayer d'éviter de se faire opérer, ça serait bien. Donc on n'ait pas trop d'ennuis. Hop. Il y en a un qui arrive. Très bien. Très très bien. Allez, on continue. Il faut aller dans les appartements du pape. Rodrigo Borgia. Ok, trouver un moyen d'accéder à la salle à manger plus haut. Ok. Je ne comprends pas. Hier soir, j'ai demandé à ce qu'on me livre de la cantarelle. Je suis affreusement désolé, mia signora, mais le pape a tout pris. Où est le pape? Il est avec Cesare. C'est étrange. Il ne m'a pas dit que Cesare était revenu. Cette femme est une véritable plaie. Oh, j'étais plus heureux aux écuries. Ce pape a une drôle de famille. Attends. Où je vais faire? Comment je vais faire? Réfléchissons. C'est par là. Là, là, là. Ah. Ouais. Je sais pas trop. Non. Oh, fichier. Ah, c'est trop là. Ah, ça doit être là, non? Il a remonté ou... Non. Ah, très bien. Oh non, mais c'est pareil. Pourquoi il a... Oh là là. Il a fait ça. Oh, ça va être chiant, ça. Oh là là, comment je vais faire? Oh putain. Allez, on va recommencer. Je sais pas du tout comment faire. En vrai. Ah, ok.
Non. Ok, c'est par là. On va falloir faire le tour. Ok. Ok. On est pas mal. Ok, on va aller de l'autre côté comme ça. Ok. Bon, j'ai compris. Hyper facile non plus. Hein. Mais bon, on a trouvé, c'est principal. Hop. Ok. Allez, quel. Ok, direction les appartements de Rodrigo Borgia. Voilà. Ok, tu te tais. Je veux pas t'entendre. Alors ensuite. Attention, hein. Ah, c'est fermé. Ah, c'est là. Ok. Ah, l'enfoiré, je l'ai pas vu. Oh, y a le mur, sérieux. Non. Arrête. Ok. Alors, on va pas par là. Apparemment. Voilà, ok. Essayer de le buter. Très bien. Là-bas, abattez ce chien. Ah, dégage. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal en vrai. Non, mais c'est une blague. Où il a fait ça? Non, mais il est con quand même. J'ai juste sauté à peine juste pour sauter du rebord et non. Il est parti complètement en cacahuète. Bon, ça va qu'ils ont prévu. Ok. Je veux une explication. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mes fonds, mes troupes, plus rien. Nous avons tous des difficultés financières. Avec ou sans armée. Est-ce que vous comptez me donner de l'argent? Non, pas du tout. J'utiliserai le fragment d'Eden pour parvenir à mes fins. Et je n'aurai plus besoin de votre aide. Ça, il me semble l'avoir très bien compris. As-tu appris que le baron de Valois a trouvé la mort? Non, vous ne... Pourquoi aurais-je donc voulu ordonner sa mort? Aurait-il comploté contre moi avec mon brillant et perfide capitaine général? J'en ai déjà assez entendu. Ce sont les assassins qui l'ont tué. Vous auriez dû les en empêcher. De quelle manière? Ce n'était pas ma décision d'attaquer Monteligione, mais la tienne! Il serait grand temps que tu assumes la responsabilité de tes actes. Non, de mes exploits! Ce que j'accomplis, malgré l'ingérence d'incapables tels que vous! Désolé, tu n'iras nulle part. Le fragment d'Eden est à moi. Écarte-toi de mon chemin, vieil homme! Je t'ai pourtant tout donné, mais tu n'en as jamais assez. Cesare! Notre père veut t'empoisonner!
Tu ne voulais pas entendre raison. Père, êtes-vous aveugle? Je contrôle absolument tout ici. Si je veux vivre, je vis. Et tout ce que je veux, je le prends. Et si je veux vous tuer, je vous tue. Où est le fragment d'Éden? Arrête! Je sais où il est! Pourquoi tu m'as caché qu'il l'avait dérobé? Cesare, c'est moi, ta reine. Tu es ma sœur, rien de plus. Où est-il? Tu ne m'as jamais aimé. Où est la pomme? Parle! Réponds! Aïe aïe aïe, récupérer la pomme d'Eden avant Cesare. Attends un peu, Cesare. Je vais passer par cette fenêtre. Donne-moi la pomme! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, on continuera la prochaine fois. Donc en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Assassin's Creed Brotherhood. Allez, peace, prenez soin de vous. Hey,